aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très spéciale. Il y a quelques mois, en décembre, j'ai dépassé les 200 000 sur ma chaîne. On est presque 300 000 maintenant. Et j'avais toujours eu pour projet de faire un meet-up. J'ai toujours voulu en fait vous rencontrer, mais je savais pas exactement comment, etc. Et au fur et à mesure, je me suis dit, en vrai, il faut trop que je fasse un meet-up où il y a des créneaux, il y a des gens qui sont inscrits pour pas qu'on soit trop et qu'on puisse discuter. Je loue un lieu, on fait un truc trop stylé. Enfin, vraiment, c'est ce que j'ai toujours voulu faire pour pouvoir vous rencontrer. Vous savez que c'est vraiment une des parties que j'aime le plus. Là donc il y avait encore le Covid, donc en décembre on pouvait pas faire ce qu'on voulait, enfin c'était la galère. C'est limite si j'abandonnais l'idée parce que je me disais ça va jamais pouvoir se faire quoi. Et ensuite j'ai rencontré la team Herborian. Mon dieu, alors là ça a tout changé. Donc j'ai travaillé avec Herborian, pour ceux qui connaissent pas forcément c'est une marque de skincare. J'ai travaillé avec eux pour une sortie d'un produit et ça s'est hyper bien passé. J'adore leur produit, j'adore. Une fois que je les ai rencontrés en vrai, je me suis dit ah ouais mais en fait ils sont trop cool. Franchement on s'est trop bien entendu. En fait je me suis dit bah je vais leur proposer. Si ça se trouve ils seraient trop contents qu'on organise ça ensemble. Et j'avais honnêtement aussi besoin d'aide. C'est un budget, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de temps, etc. Et surtout bah eux ils ont l'habitude forcément. Ils ont déjà fait des événements, des trucs assez sympas. Moi je n'ai jamais organisé d'événements. Donc je me suis dit franchement ça peut se faire. Donc j'en ai proposé, ils m'ont dit mais grave, bon, ça serait trop cool. Et je me suis dit mais c'est génial. On a eu des galères, des machins, des trucs. Mais là tout est prévu. Et donc je vous explique comment ça va se passer. Le matin du coup je vais retrouver 4 d'entre vous. On a prévu de se voir assez tôt. On va prendre un petit déj ensemble. On va faire un soin du visage. On a fait appel à un coiffeur, un maquilleur et un photographe professionnel parce qu'on va faire un shoot. Et l'après-midi il y a 3 créneaux de 14h à 16h, de 16h à 18h et de 18h à 20h. Et là par créneau il y a 30 personnes qui peuvent venir, en sachant que franchement ça m'a choquée parce que je vous dis la vérité, on ne se rend pas compte du nombre de personnes. Et en fait il y a 800 personnes sur la liste d'attente. Et je me suis dit mais genre 800 personnes pour me voir, je trouve ça tellement gentil. Vous aimez peut-être les vidéos au point que ça vous ferait plaisir qu'on se rencontre, mais moi ça me donne envie de pleurer, je suis très fragile. On a galéré à trouver un lieu, j'ai trouvé un truc qui pouvait être pas mal, on a le visité, il est trop trop bien. Là il y a toute l'équipe Herborian actuellement qui est en train de tout installer. On a des trucs pour faire des photos, il va y avoir des choses à manger, enfin ça va être très très cool. Il y a des tests gratuits pour tout le monde à l'entrée, hyper important. Personne ne doit enlever son masque sans avoir son test négatif, c'est impossible, c'est hyper important. Donc voilà, moi demain matin je vais aller pour la première fois me faire maquiller et coiffer. Et ensuite la journée va commencer quoi, donc ça va être très très cool. Écoutez je crois que là je vous dis à demain. Oh, genre là quand vous regardez la vidéo, demain c'est demain. Ah, à demain. Bon ça y est je suis prête, il est trop fort, il m'a préparé en 1 heure, il m'a fait mes cheveux, mon maquillage, franchement il a trop géré. Là je suis en train d'attendre un petit Uber pour rejoindre des meet-up. Il y a déjà des abonnés qui sont arrivés, je suis surexcitée, je suis trop trop contente. Il arrive dans 2 minutes, c'est long. Hello! Salut! Désolée, je suis un petit peu en retard. Ça va? Merci d'être là! C'est trop bien! Trop bien! On mange un petit déj. Bon, du coup, ce matin, normalement, vous allez vous faire la crème glacée sans visage. Bon du coup il y a les filles qui vont aller faire leur petit soin visage. Je vous montre le lieu, c'est trop beau. Regardez ce qu'ils ont installé, mais Herborian, Andy est là. Et du coup on pourra pouvoir faire plein de photos. Merci. Avec Cheers. Merci Cheers. Merci Cheers, on vous aime. Ouais grave, vraiment. Génial. C'est trop stylé. On a une grande cuisine avec plein de monde. Là regardez, oh mon dieu, le paradis. Plein de cadeaux Herborian pour tout le monde. Oh là 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 là. Et là c'est trop beau. Il y a plein de chambres, plein de salles de bain. Et au fond, il y a une pièce. Genre, on n'a toujours pas compris à quoi elle servait. Mais c'est stylé. Regardez, elles m'ont ramené, mais elles sont folles. J'ai jamais eu ça de ma vie. Alors, j'ai eu un gros gâteau merveilleux et des petits pralinés. Oh, ça, c'est pour me tuer. Hein. C'est pour moi, pas pour toi. C'est l'heure du make-up, le soin, c'était bien. Vous avez failli vous endormir? Vous avez eu quoi du coup? Des petits... Moi, toute la petite gamme bambou avec la bébé crème. Trop bien. Et moi, c'est celle au piment et une autre bébé crème. Trop bien. Génial. Il y a tous les produits, toutes les bébés crèmes. Je suis trop contente. Trop cool. Waouh. Ils sont en train de tout installer pour le shoot. C'est bien passé? C'était ça.
et on a à manger pour ce midi. On vient de les livrer en vélo, pour commencer sur Uber Eats. Vraiment, ils ont peur pour leur carrière. Ah ouais, mais t'as... Ouais. Non mais vraiment. On est en vélo là. Mais non, arrête. Ah mais je croyais qu'ils livraient à la... Ah non, c'était trop long. Ah merde. Dans le vlog, Herborien. Ouais, exactement. C'est délicieux, merci Alice, ouais. Franchement. Bientôt 20h, tout le monde va partir. Gros bisous les filles. Bisous. Mais oui, grave. Toi t'es celle qui va venir à chaque fois. Oh mon dieu. On est mardi, je suis encore choquée. Je vais pas vous mentir, je sais pas quoi dire. C'était vraiment incroyable. Je sais que cette vidéo est assez spéciale, mais c'est pas grave, je le fais vraiment pour les gens qui me suivent et qui sont là pour ça. Honnêtement, c'était encore mieux que ce que je pensais. J'ai pas non plus énormément filmé, je voulais vraiment me concentrer sur le moment et profiter à fond. Donc je vais vous résumer un petit peu la journée, vous expliquer comment ça s'est passé et vous raconter un peu 2-3 trucs. Le matin du coup, il y a toutes les filles qui se sont déplacées, qui sont venues pour pouvoir faire tout le shooting photo, etc. D'ailleurs j'attends les photos, j'espère que je vais les recevoir bientôt, j'ai trop hâte de voir. On a passé une matinée de ouf, on a discuté, on a fait plein de trucs, elles avaient l'air trop contentes, donc je suis trop contente que ce soit passé comme ça au final, parce que j'avais peur en fait, même pour toute la journée, en vrai j'avais peur que les gens soient mal à l'aise, qu'il y ait, j'en sais rien, tous les petits trucs qui pourraient se passer, pas assez à manger, qu'il y ait quelqu'un qui soit positif, que tout le monde soit timide, que personne parle entre eux et tout, et au final il s'est passé tout l'inverse en fait. J'avais peur aussi de pas avoir le temps de parler à tout le monde, parce que le but de faire un truc en petit comité c'est de pouvoir discuter avec tout le monde, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Je m'étais dit, bah si ça se trouve j'ai grave mal mesuré, donc il y a eu 150 personnes qui sont venues au total. J'ai pu discuter avec vraiment tout le monde, j'ai pu faire des photos avec tout le monde et discuter pour de vrai avec tout le monde, pas juste dire bonjour au revoir. Donc ça m'a fait trop plaisir, tout le monde était très gentil, et vraiment j'ai ce truc, tout le monde venait me voir en me disant mais ça te fait pas bizarre? En vrai pas du tout, genre j'ai l'impression qu'on se connaît tous, genre je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, mais je pense que vous êtes là pour une bonne raison. Il doit y avoir quelque chose qui fait qu'on a un truc en commun, donc je trouve ça incroyable. Enfin je sais pas, c'est hyper agréable, et donc ça m'a pas fait bizarre du tout. Enfin au début un petit peu forcément, c'est fou qu'il y ait des gens qui se déplacent pour me voir. Il y a plus, je crois qu'il y avait 3 filles au total dans la journée qui sont venues de Belgique. Non mais c'est pas normal. Il y en a d'autres qui venaient de Bordeaux, de nanani, qui avaient pris un TGV pour venir pour 1h45, 2h où on pouvait se rencontrer. Mais je trouve ça complètement dingue. Genre je m'en remets pas, je vous avoue je m'en remets pas. Je trouve ça fou, vous êtes fous, si vous avez fait ça vous êtes fous. Et ce qui est trop cool c'est qu'il y a pas mal de filles qui sont venues toutes seules et qui se sont fait plein de copines. C'était l'objectif. Moi j'avais dit je préfère limiter le nombre de places par créneau et avoir de la place pour que tout le monde puisse ramener un plus un, une copine, une maman, peu importe, son mec, sa meuf. Voilà, moi la première, je sais pas si je serais hyper à l'aise et déter d'aller à un événement où je connais personne, où il y a du monde, on sait pas quel mood, on sait même pas où on va, on a à peine on a l'adresse juste par mail, et on a rien d'autre. Il y avait plein de filles qui avaient vraiment les puces et qui étaient vraiment en mode bah ok, je vais me faire plein de copines. Et il y a eu genre un moment, je me retourne et je vois genre 5 filles en train de faire des photos dans le petit truc là. Je dis mais vous connaissez? Elle dit ah non, on vient de se rencontrer. Genre elles faisaient des photos ensemble, elles étaient trop contentes et ça m'a fait trop plaisir. J'avais trop peur que ce soit moi la responsable de tout. Genre que c'est moi qui dois lancer les sujets de conversation et aller là parce que certaines personnes sont mal à l'aise ou timides. Mais archi pas, tout le monde était hyper à l'aise. Donc je suis hyper contente, j'ai eu plein de cadeaux. Mais ça franchement ça me met trop mal d'en parler. Genre j'ai eu des trucs, mais vraiment hein, genre déjà j'ai eu des chocolats. Bon les trucs à manger, je pense que vous êtes sur la chaîne pour une bonne raison. Des chocolats, j'ai eu des macarons, des merveilleux. Une tonne de trucs à manger, vraiment une tonne de trucs. Des sacs Sephora avec des produits Lush, des masques et tout. Mais je me suis dit mais je mérite pas tout ça hein. On me disait Andy te rends compte, t'organises un truc et tout. Mais vous rigolez, genre les gens se déplacent pour me
voir. C'est pas moi qui mérite, c'est eux qui méritent. Genre c'est trop cool, enfin bref. Je vous montre vite fait mes fleurs parce qu'elles sont trop belles. J'ai un beau bouquet ici, un autre bouquet là, trop beau. Et j'ai un autre bouquet là et c'est moi qui fabriquais un peu le bouquet parce que j'avais plus assez de vases. Tout ça pour dire que je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé. Donc cette vidéo c'est vraiment pour tous ceux qui sont venus ou tous ceux qui n'ont pas pu venir. Pour tous vous remercier de votre soutien, même si vous commentez pas, même si vous envoyez pas de messages. Je sais que vous regardez mes vidéos. Enfin vraiment merci pour tout. Merci aussi à Herborian parce que eux je vous raconte même pas comment ils ont couru dans tous les sens toute la journée. Jérémy c'est pareil. Tout le monde a couru dans tous les sens. Moi clairement fallait rien me demander. J'étais en mode bonjour bonjour. J'ai parlé à tout le monde mais ils ont fait des trucs de ouf avec à manger, tout le monde a... délire, ils sont partis aller chercher à manger le midi en vélo, ils ont acheté plein de packs d'eau, ils sont ramenés à pied et tout en plein Paris, enfin ils ont vraiment trop géré, je suis trop contente, ils ont offert des cadeaux à tout le monde, des cadeaux avec plein de produits en miniature, un gouacha et tout, enfin c'est hyper généreux, franchement c'est, ils ont été incroyables, j'arrive pas à croire que tout ça là c'était autour de ma chaîne YouTube, j'ai l'impression que c'était pas pour moi, tellement c'est, ça paraît fou, voilà j'ai pas les mots, en tout cas sachez que j'ai eu plein de questions sur qu'est-ce que je vais faire pour les 300 000 parce que ça arrive bientôt, je vous avoue que là j'ai pas d'idée encore. Je veux vous dire que chaque étape est importante et je continuerai toujours de faire quelque chose. C'est vrai que je trouve que les meet-ups c'est très... Enfin là en tout cas j'ai eu la confirmation que c'est vraiment trop cool de pouvoir se rencontrer et vraiment discuter. Et je referai ce genre de choses c'est sûr. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a énormément de choses qui arrivent, notamment, je vous dis pas, là bientôt là, ce mois-ci, mois de mai, il se passe un truc de ouf. Et tout ça c'est grâce à vous en fait. Donc même un meet-up c'est pas suffisant, une vidéo pour en parler c'est pas suffisant, je vous jure j'ai envie de faire plein de trucs. Et j'espère que ça vous a plu, merci pour votre soutien, merci merci pour tout. Il y a mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, tout en barre d'infos, enfin ma chaîne YouTube vous y êtes, mais voilà, libre à vous d'être abonné ou non. Et Instagram, je suis active vraiment tous les jours, donc n'hésitez pas à checker également. Et nous on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo.